Il existe de stupéfiantes analogies de comportement entre la plante et l'homme. C'est ce que nous avons découvert dans chaque épisode de cette série. Mais si une plante peut être considérée comme l'égale de l'homme dans le règne végétal, c'est l'orchidée. Nous sommes dans la forêt tropicale de Thaïlande. Cet homme est l'un des derniers représentants d'une race qui s'est livrée pendant des années à une sorte de génocide. Les chasseurs d'orchidées. Pendant des années, les hommes ont massacré les orchidées dans la forêt vierge, comme ils massacraient les Indiens. Mais pour capturer, pourrait-on dire, une orchidée sauvage, il faut ou grimper à un arbre, ou, comme ici, l'abattre. Pourquoi ? Parce que dans la forêt tropicale, si une fleur veut du soleil, il faut qu'elle aille le chercher. Parce que le soleil ne traverse pas la frondaison. Les orchidées, comme beaucoup d'autres plantes à fleurs, doivent donc se débrouiller pour grimper le long des troncs. Pour ça, elles forment des lianes très épaisses, très longues, avec leurs tiges qui s'enrubanent et finissent par porter leurs fleurs très haut vers le soleil. On dit d'ailleurs que les orchidées sont filles de l'air. Mais quel travail d'être obligé de faire une énorme tige pour arriver à 20 ou 30 mètres de hauteur. Ce n'est pas rentable. C'est pourquoi des orchidées astucieuses, tant qu'à faire, vont carrément s'installer sur les fourches des arbres et s'y enracinent. Ce qui, pour une plante, est tout à fait extraordinaire. Dire qu'elles s'enracinent, ce n'est pas tout à fait le mot. Elles ont des racines, mais qui ne vont même plus jusqu'au sol. Or, une racine, ça sert à quoi? À puiser l'eau dans le sol. Si elle n'arrive pas jusqu'au sol, à quoi sert-elle? Le système inventé par l'orchidée est génial. L'eau de pluie ruisselle forcément le long de la racine et s'égoutte à l'extrémité. Mais en même temps, elle pénètre dedans grâce à un tissu spécial qu'on appelle le voile et qui est une sorte d'éponge. Grâce à ce tissu qui fait comme un manteau hydrophile autour d'elle, l'orchidée puise directement l'eau dans l'air. Mais ce n'est pas tout. En période un peu plus sèche, que se passe-t-il? Eh bien, ce tissu, peu à peu, se déshydrate. Les cellules s'aplatissent et forment une paroi protectrice qui retient l'eau. Selon les besoins, c'est donc tour à tour une éponge et une paroi de citerne. Comme astuce technologique, on ne fait pas mieux. Juillet. 2000 mètres d'altitude. Nous sommes dans les Alpes du Midi de la France, à quelques kilomètres de la Méditerranée. Avec Jean-Marie Pelt, nous partons à la recherche des orchidées européennes. Car, on le sait peu, il existe des orchidées partout et sous tous les climats. Généralement, on passe devant sans les voir. Pourquoi? Parce qu'elles sont petites, modestes. Elles n'ont pas besoin de grimper comme dans la forêt vierge. Elles trouvent le soleil en poussant dans l'herbe avec les boutons d'or. Alors une question se pose. Entre ces modestes orchidées des régions tempérées et les orchidées lianes de la forêt vierge, qu'y a-t-il de commun? Eh bien, c'est qu'elles ont toutes inventé, tout ce qui veut dire 20 000 espèces d'orchidées différentes, le même type de fleur. Une fleur extraordinairement sophistiquée, mise au point, semble-t-il, tout exprès pour vivre en bonne intelligence avec les insectes. Le principe du mariage des plantes et des insectes, on le connaît bien. Les insectes se nourrissent à partir des nectars que fabriquent les plantes. En allant chercher le nectar des fleurs, forcément, ils les piétinent. Du coup, il s'imprègne du pollen, qui est comme le spermatozoïde de la plante, c'est-à-dire son élément mâle. Et il le transporte, malgré eux, sur le pistil d'autres fleurs, ce qui assure la fécondation. L'homme n'a pas besoin, lui, d'un messager pour faire parvenir son pollen à une femme. Mais chez les plantes, il n'y a pas de contact entre les sexes. Il faut donc un intermédiaire, c'est l'insecte. Or, c'est déjà là où l'orchidée est supérieure à toutes les autres plantes.
dans l'extraordinaire déploiement de moyens mis en œuvre pour attirer le messager. D'abord, les orchidées se fardent, et d'une manière si voyante que l'insecte se précipite dans le panneau publicitaire. Mais ce n'est pas tout. Une fois qu'il arrive à proximité de la plante, il faut qu'il atterrisse. Or, on s'imagine que les insectes se posent sur les plantes comme ça, bêtement. Pas du tout. Les insectes ont besoin d'être guidés dans leur atterrissage. Et c'est là qu'intervient l'une des pièces les plus sophistiquées de l'orchidée, le labelle. C'est un pétale, mais un pétale extraordinaire, somptueux, tarabiscoté, balisé par des touffes de poils, par des stries ou des ponctuations colorées. L'insecte voit cela exactement comme un pilote voit la piste d'un aéroport et il suit les balises. Plus fort encore. La tour de contrôle de l'orchidée permet l'atterrissage sans visibilité. Les insectes ne voient pas toujours clair. Ils se guident aussi par les odeurs. Les orchidées l'ont très bien compris. C'est pourquoi elles fabriquent aussi des balises odorantes. L'insecte y est guidé jusqu'au nectar, comme dans un couloir aérien. Alors, où est-il, ce nectar? Très souvent, il est caché dans une espèce d'éperon plus ou moins allongé, comme au fond d'une corne d'abondance. Le problème, pour l'insecte, c'est d'arriver à le puiser, au fond de cet éperon, avec sa trompe. Mais voici, par exemple, un éperon incroyablement long. C'est celui d'une orchidée malgache, l'angrecum. Quel insecte peut bien avoir une trompe assez longue pour aller jusqu'au fond? On a fini par le trouver. C'est un gros sphinx avec une trompe interminable. À ce propos, savez-vous que la vanille est une orchidée? Et connaissez-vous son histoire? Depuis longtemps, elle était récoltée au Mexique. Et puis, on a voulu la cultiver dans l'océan Indien. On l'a donc introduite, notamment aux Comores. Elle y a bien poussé, c'est une liane, il suffisait de lui donner des supports, mais on n'a jamais obtenu la moindre gousse de vanille. On s'est demandé pourquoi, et on s'est aperçu que tout simplement, la vanille n'était fécondée que par un type d'insecte qui n'existe qu'au Mexique, le mélipone. Alors on a importé l'insecte dans l'océan Indien, mais voilà qu'il ne s'y est pas adapté. Il a fallu qu'un jeune noir invente une méthode artificielle de fécondation. Avec des petites pincettes, on prend le pollen et on le pose sur la partie réceptrice de la fleur, le stigmate, grâce à quoi la vanille donne des gousses. Mais vous voyez le danger, si l'homme n'intervenait pas, et si l'insecte disparaissait. Des orchidées aussi spécialisées ne pourraient plus se reproduire. Elles sont coincées. Mais voici encore plus extraordinaire. Ça devient fabuleux et même un peu inquiétant. Il s'agit de cette fameuse pièce de l'orchidée, stratégiquement si importante, qu'on appelle le labelle. Ce pétale sophistiqué, chargé d'attirer l'insecte et de guider son atterrissage. Certaines orchidées, allant jusqu'au bout de l'idée, le transforment carrément en insecte. Et on voit leur pétale, véritablement, prendre l'allure d'un moucheron, d'une araignée, d'un frelon, d'une guêpe, mais d'une manière stupéfiante. Alors mettez-vous à la place de l'insecte. Comment ne pas être attiré par une fleur fardée, odorante, balisée, et qui, par-dessus le marché, porte déjà sur elle une femelle de son espèce. Complètement mystifié, il se précipite sur ce faux-semblant et fait l'amour avec lui, au point d'y laisser le plus consciencieusement du monde ses spermatozoïdes. Il faut dire que tout y est. La forme, la couleur, le toucher, les poils du labelle de l'orchidée adoptant la même disposition que les poils de la femelle de l'insecte. Et aussi l'odeur. L'orchidée va jusqu'à fabriquer le parfum
dont se sert la femelle de l'insecte pour attirer son mâle. Autrement dit, elle synthétise le parfum de l'insecte comme nos parfumeurs industriels synthétisent le parfum des fleurs. Le label piège de l'orchidée, en fin de compte, c'est la poupée des sex shops, en beaucoup plus perfectionnée. Il arrive tout de même que le piège soit moins sophistiqué. Exemple, le sabot de Vénus. C'est une orchidée d'Europe. Son label a la forme d'un sabot et l'insecte tombe dedans. Mais il ne peut plus sortir que par un trou placé à un endroit précis. Il est obligé de ramasser le pollen. Parce qu'en définitive, c'est ça le problème. Ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, l'insecte passe quelque part dans la fleur où le pollen se trouve. Et qu'ensuite, il le charge sur sa tête, sur son dos, sur sa trompe, où il veut, pourvu qu'il l'emporte. À partir de là, d'ailleurs, l'orchidée a encore mis au point un certain nombre de technologies que l'on pourrait dire aérospatiales. D'abord, pas question que le pollen soit éparpillé par le vent. Elle en fait donc une masse unique, agglutinée. Ensuite, pas question que l'insecte perde le paquet en route. Un ciment spécial, fabriqué par une glande, le lui colle sur la tête. Enfin, un dispositif incline la masse de pollen en vol pour qu'au bout du voyage, elle tombe pile sur le stigmate visqueux d'une autre orchidée qui n'attendait que ça. Sur ces images arrêtées, on distingue le pollen sur la tête de l'insecte. C'est seulement après ce fantastique voyage aérien qui a demandé tant de technologie que l'acte sexuel entre deux orchidées lointaines peut enfin commencer. Maintenant, que se passe-t-il quand la fête est finie? Eh bien, on remballe. La fécondation a eu lieu, c'est terminé, on enlève les affiches. L'appareil publicitaire ne sert plus à rien. Le label, ce fabuleux label qui a demandé tant de mal pour être mis au point, tout ça flétrit et tombe. La fleur ne se farde plus, ne sauve plus les apparences. Le bébé conçu, la vampe, disparaît. Du moment que la plante a le bébé, plus besoin de tromper personne. Donc, jusqu'à nouvel ordre, plus de fleurs. C'est bien pourquoi les cultivateurs d'orchidées mettent de gros ventilateurs dans les serres pour chasser les insectes qui viendraient féconder les fleurs, ce qui les tue aussitôt. Maintenant, que se passe-t-il quand une orchidée est fécondée? Il y a, dans le ventre de la fleur, un petit œuf qui est contenu dans une graine. Alors comment ça marche? Eh bien, c'est curieux. Pour ces orchidées si astucieuses, tant qu'il s'agit de séduire, à partir du moment où c'est fait, ça marche étrangement mal. Car l'orchidée, au lieu d'être raisonnable, de faire comme toute plante normalement constituée quelques graines, en fait des quantités effarantes. Plusieurs milliers de graines par fleur. Évidemment, elles sont microscopiques. Par comparaison, voici des graines d'orchidée sur un haricot. Or, une graine si petite est d'une graine en danger. Pourquoi? Normalement, qu'y a-t-il dans une graine? D'abord, il y a un bébé, c'est l'embryon. C'est un bébé qui dort parce qu'il attend des conditions favorables pour germer. En quelque sorte, il hiberne. Et puis, autour du bébé, dans une graine, normalement, il y a le garde-manger ou le biberon, c'est-à-dire des réserves d'aliments dont il aura besoin quand il se réveillera. Voilà donc une graine normale, l'embryon et la réserve autour. Or, le bébé de l'orchidée est tellement petit qu'il est très mal formé. C'est à peine un petit fœtus formé d'un petit amas de cellules et il n'y a rien autour. Résultat, quand le moment de la germination vient, que le bébé se réveille, sa situation est tout de suite dramatique.
Comment voulez-vous qu'il aille planter une racine dans le sol? Il n'a pas de quoi faire une racine. Rien à manger dans sa graine. Alors, l'orchidée est obligée de trouver une nourrice pour son bébé. La nature fait circuler, à proximité de l'orchidée, dans le sol, un champignon. Et ce champignon va nourrir le bébé orchidée, avec une paille, un filament par lequel il lui transmet ce qu'il tire du sol. Ainsi, une vie en commun s'organise entre le bébé orchidée qui grandit et le champignon qui lui sert en fait de racine et qui l'alimente. Mais voici l'ingratitude des enfants. Quand elle a grandi, la petite orchidée, qu'elle a planté sa propre racine, évidemment, le champignon, elle n'en a plus besoin. Alors elle a tendance à l'envoyer promener. Mais le champignon, lui, n'a pas du tout envie d'être éjecté. Le voilà qui s'incruste. Alors se développe une sorte de méchante compétition. C'est un peu ce que disait un humoriste des femmes. On ne peut ni vivre avec, ni vivre sans. Pour que son champignon ne soit pas trop envahissant, l'orchidée fabrique de grosses racines tuberculisées qui d'ailleurs donnent leur nom à la famille. Orchis, en grec, cela veut dire testicule. Parce que les orchidées ont souvent deux racines rondes dans le sol. C'est leur réaction, apparemment, contre l'envahissement du conjoint champignon. Malgré tout ça, les orchidées sont rares. Parce que ces fameux champignons nourrices, il n'y en a pas partout. C'est pourquoi, sur les millions de graines d'orchidées, il n'y en a que quelques-unes qui germent. Il est très rare de voir un champ d'orchidées comme on voit un champ de coquelicots. Et pourtant, un guide de montagne nous en avait signalé un. À plus de 2000 mètres d'altitude, dans ce massif de Haute-Provence, près de la Méditerranée, où la France a créé un parc national. Nous l'avons trouvé, après 3 heures de marche. Mais savez-vous que certaines orchidées régressent, comme les vieillards qui retombent en enfance, au point d'en avoir perdu leur chlorophylle? Et pour une plante, perdre sa chlorophylle, c'est effarant. Comme si un homme perdait son sang. Du coup, elles ne sont plus vertes, ne font plus de feuilles, elles ne savent plus se nourrir comme les plantes à partir de l'eau du sol et du gaz carbonique de l'air. Il ne leur reste plus qu'à se nourrir de cadavres d'animaux et de plantes, exactement comme les champignons et comme les hommes. Qui pourrait deviner que cette petite néocie des forêts tempérées, qui a renoncé à la beauté, qui a renoncé aux insectes pour se féconder, est une orchidée à qui il est arrivé cette aventure invraisemblable? Ces exemples montrent bien que l'homme peut reconnaître en l'orchidée
ses propres comportements. Comme l'homme, l'orchidée, tout en contrôlant ses naissances, s'est répandue sur toute la Terre, même sous les climats froids. Comme l'homme, l'orchidée est sociale. Elle vit en relation avec les autres. Comme lui, elle sait faire travailler les autres. L'arbre qui la porte, l'insecte qui la féconde, le champignon qui la nourrit. Maintenant, elle fait même travailler l'homme, son ancien destructeur, qui ne lui fait plus la guerre, mais l'amour. Il a inventé pour elle un milieu sucré artificiel où elle peut germer. Et même un système pour nourrir son bébé sans le fameux champignon. Grâce à quoi, un pays comme la Thaïlande, par exemple, exporte plus de 100 millions d'orchidées par an. Pour Miss Orchidée, après des millions d'années, voici l'aube de la rencontre avec l'homme. Et cette rencontre est normale. Elle devait arriver. Parce que l'homme et l'orchidée sont les deux inventions les plus récentes de la nature. On peut imaginer le règne animal et le règne végétal comme deux immenses montagnes qui s'enracinent dans le continent de la vie. Et au sommet de ces deux montagnes, il y a ce qu'on trouve de plus sophistiqué, de plus récent. Ce qui vient d'arriver sur Terre, il y a seulement quelques millions d'années. D'un côté, l'homme, de l'autre, l'orchidée.